Pour cette expérience, l'un d'entre vous doit monter sur le petit escabeau avec le livre dans une main et la feuille dans l'autre. Ah, classique. Alex, tu dois placer le livre et la feuille à l'horizontale, les deux à la même hauteur. À mon signal, tu vas les laisser tomber en même temps. Vraiment impressionnant ton expérience, Mia. Toujours ton cœur au balanché. Vous êtes des êtres impatients, les humains. Nous en sommes à l'étape 3 de l'investigation scientifique. Hâte de voir la suite. Alex, tu vas placer la feuille sur le livre et tu vas les laisser tomber ensemble. À mon signal, on fait le test. C'est quoi ça? La feuille n'est pas devenue plus lourde? Ce n'est pas une question de masse, mais bien une question de forme. Quand la feuille est seule, il y a une plus grande surface qui est exposée à l'air sous elle. Ah! Oh, l'air fait ralentir sa chute! Exactement, Alex. Si la feuille avait été froissée, elle aurait eu une moins grande surface de contact avec l'air et elle serait déjà tombée plus rapidement. OK, donc quand la feuille est sur le livre, il n'y a plus d'air sous la feuille. Tu as tout compris. C'est pour ça que les deux objets tombent à la même vitesse. C'est ça les effets de la gravité. Je pense qu'elle peut descendre de l'escabeau, hein, Mia? Oui.